Concours de circonstances, ben, ma curiosité. J'étais une petite fille curieuse qui aimait écouter la radio et qui a voulu faire exactement comme ces grands animateurs et ces journalistes que j'entendais à la radio. Mon déclic, en fait, s'explique par ma propre curiosité. La curiosité d'avoir entendu à la radio de belles voix, Richard Mbouillé, et consorts, quoi, et d'autres. Et ensuite, je me suis trouvée dans un studio, à la RTG1. J'étais haute comme ça, de trois pommes. Et puis, j'ai lancé un défi à un grand commentateur d'un match de foot. Donc je lui ai simplement dit, ah, ben, tu sais toi ce que tu es en train de faire là, moi aussi je peux le faire. Il dit, ah bon? Mais t'es quand même culotté toi. Je lui ai dit, bah, pas de souci, mets-moi à l'épreuve. Alors j'ai commencé à l'imiter, à me parler un peu comme lui faisait ses commentaires le dimanche. Et puis bon, ben, c'est parti comme ça, je suis partie de quoi 2 minutes à 5 minutes, puis 15 minutes, puis une demi-heure de commentaires. Et depuis ce jour-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je devais avoir à cette époque-là une petite dizaine d'années. Et donc entre 9 et 10 ans. Donc c'est à cette époque-là que remonte ma passion pour la radio, pour l'audiovisuel. Difficile de répondre à cette question puisqu'elle se poursuit ma carrière et que tout ce que je fais en ce moment, c'est vraiment fantastique. Mais si je dois, comment dire, arrêter le temps, c'est très certainement Africa numéro 1 parce que c'est Africa numéro 1 qui m'a propulsée au-devant de la scène mondiale. C'est à travers Africa numéro 1, avec l'émission Mademoiselle Africa, que j'ai donc été connue, célébrée, aimée, adulée. C'est un souvenir qui reste indélébile dans mon cœur, dans ma mémoire. Mais je poursuis encore cette carrière et je pense que cela ne s'arrêtera jamais. Les jeux. Voilà. Il y a là encore pas mal de choses. Parce que j'ai grandi comme un garçon, d'après ce qu'on me raconte. Mais j'aimais beaucoup le basket. J'étais quoi? Pivot. Voilà. J'étais le numéro 5 et j'étais le pivot à mon lycée. Donc j'ai beaucoup aimé le basketball. Voilà le sport que j'aurais aimé faire et que je peux encore faire. Si j'ai l'occasion, un peu le temps, quoi. J'ai envie de dire rien, mais bon, non, on va pas dire ça. Parce que notre pays est beau. C'est tellement beau, c'est tellement complexe en même temps qu'il est difficile de dire j'aime un tel endroit particulièrement qu'un autre. Moi, je parlerai bien entendu de mon lac bleu à Dédé, un lac où j'allais plonger quand j'étais gamine. Mais s'il y a plutôt un endroit que j'aimerais visiter au Gabon, ben, ce sont les chutes de Poubara. Je les ai suffisamment regardés à la télé, donc j'aimerais sincèrement y aller, quoi. Ça,
sans hésitation, hein. C'est le poisson salé à l'aubergine. Waouh, miam miam. Enfin, l'aubergine de chez nous, hein. Pas l'aubergine violette là, énorme là qu'on achète ici dans les supermarchés. Non non non, nos petites aubergines là, toutes petites. Ouais, c'est ça. Avec le bon poisson salé, le capitaine, je sais pas, enfin, des choses comme ça. J'adore. Waouh, faut pas me ramener au pays là. Liboti, Liboti Dineni, merci, merci beaucoup. Merci tout simplement parce que ben ça signifie tout, ça englobe tout, c'est plein d'humilité, c'est plein de gentillesse, c'est plein de reconnaissance. Je trouve que le mot Liboti, merci, est tellement... affectueux, que c'est un mot que je ne cesse de dire à tous ceux qui m'ont aimé, à tous ceux que j'aime et à tous ceux qui m'aimeront encore demain, surtout tous ceux qui apprécient le travail que je fais. Je dis encore Liboti, Liboti Dineni. Qu'est-ce que j'aime le plus chez les Gabonais? En fait, tout et rien. Parce que le Gabonais, c'est un être tellement complexe. On l'aime en même temps, on le déteste, en même temps, on le trouve génial, et en même temps, on le trouve parfois trop. C'est too much. C'est un amour vache, voilà, c'est too much. Entre Gabonais, c'est too much, tout simplement, c'est beau. Voilà, c'est comme ça que nous sommes, indéfinissables. Le capitaine Tchoréré, et ça je le dis sans hésitation, pour son courage, pour son intelligence, pour sa loyauté et pour sa force. Parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, il a été abattu d'une balle dans la tête par un soldat nazi, tout simplement parce que il était fier d'être noir. Il était fier d'être un capitaine au service d'une nation qui était certes pas la nation gabonaise à l'époque, mais c'était un bon Gabonais qui a servi et qui est mort en service. Ce courage d'ailleurs qu'il a manifesté, un jour où ce soldat SS est arrivé dans une pièce, vous savez qu'à l'époque, pendant la guerre, on séparait les noirs des blancs, donc les officiers noirs et les officiers blancs. Alors quand cet officier SS lui a demandé de quitter la salle, hein, de se mettre, d'aller en fait à côté, de ne pas être avec les officiers blancs, il a simplement dit qu'il était un capitaine, qu'en tant que capitaine, il n'allait pas donc abandonner ces soldats qui ne voyaient pas de raison pour quitter la salle. Et je ne sais pas si vous vous imaginez l'atmosphère, le climat, le lieu, l'époque. Il fallait être particulièrement courageux, même pas téméraire, mais c'est quelqu'un qui avait le sens du devoir. Donc il n'était pas question qu'il abandonne ses troupes
et qu'il aille se cacher comme un vulgaire soldat peureux. Donc, il est resté là. Et puis cet officier est venu lui mettre une balle dans la tête et il est tombé en héros. Pour ça que je pense qu'il faut vraiment célébrer ce capitaine courageux qui est notre frère gabonais, quoi. Waouh, qu'on me donne le pouvoir d'action et de décision pour les Gabonais. Là. Mais c'est à la fois compliqué, mais j'en suis absolument sûre et persuadée que ce sera leur donner du travail. Parce qu'avec le travail, eh bien, on est libéré de certaines dépendances. Avec le travail, on devient soi-même quelqu'un d'intéressant. Avec le travail, je pense qu'on peut éliminer, peut-être pas éradiquer, une certaine forme de délinquance, une certaine forme de dépendance et avoir idéalement un beau pays si tout le monde a son travail, si chacun des Gabonais peut se nourrir, peut se vêtir, peut subvenir aux besoins de sa famille et à ses propres besoins. Le travail, le travail, le travail pour tous, avant tout. Mes projets. Eh bien, nous arrivons à la quatrième saison de mon magazine Africa Ami. Africa Ami qui signifie en langue Yipounou du Gabon, mon Afrique sœur, mon Afrique que j'aime. Voilà, réussir cette quatrième saison, ce nouveau défi qui s'ouvre à moi. Le faire. Pouvoir réaliser encore 12 épisodes de ce magazine et trouver le bon diffuseur, parce que c'est le plus dur en ce moment. Donc plus on avance en qualité, plus on a besoin d'un média qui corresponde à la qualité du travail qu'on produit, et ça c'est le plus dur. Donc on fait un travail panafricain, nous sommes sur le continent pour aller rechercher la vraie information africaine sur le continent africain. Comme dit mon slogan, l'information du continent doit être traitée par les Africains, pas seulement pour les Africains. Mais je pense que nous avons une autre façon de dire les choses. Nous n'avons pas besoin de commenter ce qui se passe sur notre continent. Nous avons simplement besoin de montrer ce qui se fait aussi de bien chez nous. Il n'y a pas que des scandales, il n'y a pas que la gabegie ou autre chose. Ce qui se passe chez nous, c'est des fois merveilleux. Il y a de jeunes Africains, de jeunes Africaines qui sont des gens courageux. Et là, je parle aussi de la maman qui va tous les matins vendre ses arachides sur le marché et qui, à travers ce travail, nourrit parfois une famille de plus de 10 enfants, quoi. Ce sont toutes ces personnes-là que je tiens à montrer. Et c'est ce courage-là que je tiens à louer dans mes reportages. C'est aussi le chef d'entreprise
africain ou gabonais qui a su se frayer un chemin et qui fait, qui emploie d'autres gabonais, d'autres africains. Ah, ce site, oh, il est génial, c'est vraiment une très très bonne initiative. C'est, d'ailleurs, quand j'avais répondu sur cet échange Facebook, je faisais allusion à la nostalgie qui s'envolait parce qu'on se retrouvait un peu chez nous, quoi. C'est comme une petite cour de récré. On se dit, terminé les devoirs là, à l'intérieur. De l'Hexagone, et on y va, je vais dans le site, c'est comme un petit moment de récréation pour moi, et je feuillette, et j'aime beaucoup cette rubrique interview, qui nous emmène à découvrir, curieusement, hein, des choses insoupçonnées de certains de nos artistes, de la jet set entre guillemets du Gabon, et puis des gens qui font parler de notre pays positivement ou négativement, moi j'aime beaucoup cette rubrique là parce que le relationnel, j'aime beaucoup, donc ça me fait découvrir d'autres Gabonais, quoi. Puis les rares fois où je réponds à des interviews, je me découvre un tout petit peu.
Hey!